Coucou les gars, wesh, c'est parti pour un nouveau vlog. Ouais, ça date carrément, ouais. Pourquoi je crie, wesh? Déjà, je sais pas. Pourquoi je crie? Mais je me suis demandé. Peut-être que je suis trop content de vous retrouver, peut-être. Mais wesh, ça date qu'on s'est pas vu, wesh. Eh les gars, j'avoue, on a abusé. J'avoue, on abuse de ouf. On a abusé. Mais franchement, on a des bonnes raisons. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un vlog pour la Belgique. Parce que là, on va aux Ardentes. C'est un festival de musique. Et là, du coup, on est samedi, mais il a commencé jeudi. Donc, normalement, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais on n'a pas pu aller jeudi parce que, bah, moi, en fait, je bosse. Voilà. Je bosse. Donc, il a trouvé un taf. Du coup, on était super contents ces derniers temps. Donc, voilà, il s'est habitué un peu à son taf et tout. Donc, là, on y va. On est super contents de bouger un peu. Ça fait longtemps qu'on s'était pas fait un petit week-end, du coup, depuis que tu taffes. Ouais. Mais on a bien profité, hein. On a bien profité. Donc, là, on va faire de l'essence. Et après, c'est parti pour combien? 3h24 de route. Ouais, ça va, c'est pas... Eh, mais je pensais pas que c'était aussi long. Non, mais en vrai, ça dépend d'où tu pars. Okay. Donc voilà, on s'attrape. On va essayer de filmer au maximum, vous connaissez déjà. Et puis, ça fait longtemps que vous n'avez pas embêté. Donc, petit make-up et tout. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je propose. Et regardez, maintenant, je fais des ongles matures. Attendez, je vous montre bien. Attendez, parce que là, on va pas voir. Je fais des ongles matures. Pour le plus grand bonheur de Johan. Oui, je l'appelle Johan. Johan pour les intimes. Yo-Yo. Vous pouvez l'appeler Yo-Yo ou Johan. Mais moi, personnellement, comme c'est mon petit cœur, c'est Johan. Johan, c'est vraiment, tu vois, quand t'aimes une personne, tu rajoutes des lettres. Alors, voilà le soleil, wesh, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, du coup, là, on a la station essence. Je vous ai pris des petits trucs à boire. J'ai pris du jus d'ananas pour Johan, parce qu'il aime bien le jus d'ananas. Je vais mettre ça dans ça. Non, je vais mettre ça là. Et moi, je me suis pris ça. C'est matza, je sais pas comment on prononce, à la mangue. C'est tellement bon. Là, on s'autorise le jus, hein. On n'est pas la diète là, merci. On fait une petite pause. T'as dit quoi? J'ai dit la diète, on faisait une petite pause. Qui va faire une pause? Bah, tu bois pas du jus d'ananas? Bah, non, donne... non, moi, non, mais tu moi bois... j'ai rien acheté. Non, mais tu bois pas. Je t'ai dit, je t'ai acheté ça. Déjà, tu peux pas dire merci, ma chérie, t'as pensé à moi. Mais si, je te dis merci. Mais pourquoi maintenant devant la caméra mais pourquoi tu. Mais pourquoi tu dis on fait une pause sur la diète? Mais une petite pause. Une petite pause, une petite parenthèse. Moi, je détends avec elle. C'est bon, t'as perdu du poids là. Eh, c'est bon, wesh. Wesh, il est très stressé au niveau. Eh là, je suis de bonne humeur. On va passer un bon week-end. J'aime trop là. J'aime bien. Bref, c'est parti. Mais tu me fatigues là. Il est 9h du matin. Je vais essayer de pas dormir. Mais ça, je vous promets rien. Attendez. Parce que c'est attendez. Moi le conducteur, je mets non, attendez. Toi, dès qu'on se touche, tu veux... En fait, depuis qu'il est devenu un peu large, on peut plus respirer. C'est bon. Hein. Mets ta ceinture avant qu'on parte là. Oh, la sécurité routière. Voilà, tu vois, tout cassé. Ah, vas-y, salut. 3h30 de route, de toute façon, je vous ferai des updates de la route. C'est parti, Hot Wheels. Bon les gars, nous sommes arrivés, là on se gare au parking. Après on va à l'hôtel. J'espère que la chambre elle sera prête, comme ça on pourra poser nos affaires et tout. Et après on va aux Ardentes, enfin au festival. Et j'ai tellement dormi les gars. Aucun soutien, aucun... Non, franchement, j'étais trop KO. Parce que ma tête est tombée et tout. C'était trop grave. On a récupéré la chambre. On avait une chambre de prête. Ouais, je les ai appelés, je les ai menacés. J'ai dit, réservez-moi la chambre. Les Yosean arrivent. Il a archi pas fait ça. J'ai archi pas fait ça. J'avoue. On devait faire le check-in à 15h. Et là, il est même pas 13h. Là, il est même pas 13h. Donc, c'est parti. C'est la 424 à droite. Oh, regarde. Ah oui, c'est. Le truc qui te livre la graille. Yohan. Mais. Tu sais qu'en plus, il a capté qu'il y avait quelqu'un devant lui, genre. Il a dit, tu as une sous lui là. Est-ce que tu vas nous refaire une dinguerie comme 424? Mais c'est là-bas.
Ils ont dit à la droite. Mais non, 422, 423. Ah ouais? Oh, pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est là. On allait marcher jusqu'à... Moi, je suivais ça, 406, ouais. Tu vas nous refaire une dinguerie comme à Los Angeles ou pas? Bah, tiens, je vous fais. Vas-y. Vas-y, montre-nous, allez. Mais MDR, toi, MDR. Rentrez dans ma chambre, là. Rentrez. Genre, tu crois que t'as d'être ça, là? Bah, j'ai grave d'être. Ma question maintenant, c'est où est-ce qu'on la met à l'entrée? Ouais, j'ai des balaises, un balaise lit. On peut voir le jour ou... Oh. Ah ouais, c'est ça qu'il fallait. Ouais. Trop bien. Bon, t'aimes bien la chambre? Oui. Je l'ai prise à la dernière minute, hein, mais tu connais. Et bon. Puis ça nous a coûté la peau des seufs. Ouais. Purée. Non, c'est carré. Faut faire un petit room tour vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait, parce que vas-y. Vite fait, vite fait. Pas là pour ça, Taïk. Voilà, petite douche. Simple en vrai, hein, c'est pour une nuit. Donc c'est carré. Je vous ai même pas montré mon petit outfit. Ouais, petit et maillot. Moi, et moi. Et voilà, et toi, voilà, t'es là. Donc voilà. En plus, il fait super chaud. Heureusement, j'ai mis une robe. Ouais. J'étais pas trop chaude. J'étais un peu perplexe. On va se poser un peu parce que la route elle a été longue. Et après, direction le festival. Mais on court comme ça? vas-y. Là du coup, j'ai fait un petit refresh. On a fait 3h30 dans la voiture, j'ai dormi comme une malade mentale. Mais ça va, en vrai, mon make-up il a tenu. Regardez. Juste des petites retouches parce que là, je suis décoiffée et tout. J'en ai ma brume, donc c'est la Victoria's Secret. J'aime trop cette brume. Elles sont tellement bon. Je voulais faire des boucles ce matin, mais on était trop pressés. Donc j'ai pas eu le temps. J'étais un peu deck. Je vais mettre un peu de poudre. Donc là, je vais prendre ma poudre de chez MAC. Et on va voir ça, elle va dire, mais. Elle nous saoule avec ces trucs-là. Je vais mettre du gloss. Du gloss transparent de chez Fenty. Je vais le mettre dans mon sac. Je finis. Voilà la petite retouche. Je crois que mes fossiles ils vont tenir. Yvan, quand il va voir cette partie du vlog, il va dire mais ma belle. Bon les gars, je vous montre mon outfit. Simple. Petit maillot Odell Beckham Junior, tu connais. Hein? Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. Pour ceux qui ont la ref. Et puis voilà, hein, petite sacoche, petite lunette. Voilà, en mode, t'as capté? En mode festival. Donc là, on va manger et après, let's go faire la bringue. C'est ça, non? C'est ça, on dit. C'est ça, on dit. Moi, je vous ai déjà montré ma robe tout à l'heure, merci. Mais c'est... Ouais, mais. Il y a de l'eau en plus. Non, mais j'ai de l'eau. Oh, arrête! Coucou! Ça dit quoi? Ouais, t'es prêt, hein? Ouais, c'est quoi, gros? Je viens de me réveiller, ouais. C'est quoi, mon ref? Ça va quoi? Ça dit quoi? On est là. Totalement? Totalement, totalement? Ouais, je suis. Ah, prêt, hein? Bro, ouais, ça va, gros? Ça va, gros? Ça dit quoi? Et gros, on est du coup, vous venez d'arriver, nous, on a fait un jour de fête. Ah ouais? Les festivités. Ah ouais, festivités, hein? Ah ouais, hein? Ouais, c'est comment l'équipe? Ouais, il y a même le 6, gros! C'est comment, wesh? Mon sauce! Wesh! Ça dit quoi? Ah là 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 là! Le propriétaire! Merci! Les gars, j'ai oublié de vous présenter le frérot. Ils savent déjà, ils me connaissent déjà. Ouais, déjà, ça sert à rien de. Ça sert à rien de parler beaucoup, vous savez déjà c'est qui. Large, large! Hein? Là? Hein? En place, hein? Je cœur toujours. Ouais! J'explique l'équipe. On est parti rejoindre des potes à nous. Tu les as déjà présentés, déjà? Ah ben oui, je suis con. Je vous ai présenté les gars. Maintenant, on va aller manger un petit coup là avant d'aller au festival. Et puis voilà, parce qu'on a la date. On va boire un petit coup. C'est-à-dire, on va manger un petit coup. Manger un petit coup. Manger un petit coup. Quelque chose, manger un petit coup. Bon, la prof de français, elle a. Merci. Merci beaucoup. Les gars, là les critiqueurs. Chris, qu'est-ce que tu vas prendre, gros? La carte, elle est illisible. Mais non, c'est tout un plus, toi. C'est écrit en français. Ça veut dire quoi, THB? Mais c'est le pain. C'est la colle, c'est la colle.
venez voir. Non, c'est The Huggies Bar. Ça veut dire que c'est un truc d'ici, genre. Mais oui, maison, c'est la spécialité, wesh. Mais toi, mais t'es c'est HB, la spécialité. C'est, la spécialité, c'est des maisons. The Huggies Bar. C'est alors, Huggies écoutez, Bar. On comprend rien à la, carte. Peut-être c'est écrit en belge. Merci, Yoann. Moi, je m'aventure pas là-bas. J'ai rien contre vous, les Belges. Mais apparemment, vos frites, elles sont bonnes. Donc, on va goûter c'est ça. Les frites. Oui, c'est les frites des frites. Oui, le pays des frites. Quand heureux, si les frites elles sont bonnes quand même. Mais j'ai jamais mangé les frites de. Moi non plus. Au McDo, t'as jamais mangé? Non. Ouais, mais le McDo. En Belgique. Je te jure qu'elles sont pas pareilles, les frites. Elles sont archi bonnes, leurs frites. Non. Je vous jure. Le McDo, il est. Non, mais je vous jure. Elle a testé tous les McDo pour dire que c'est pas la même chose. Je vous jure que maintenant, leur McDo, il est trop bon. J'avoue, j'ai bien joué au McDo, c'était bon. Mais wesh. Il est archi. Oh, maintenant, si tu veux filmer. Maintenant, vous vous souvenez? Vous êtes court, hein? Comment il est passé? Hey, bon. Mais je t'ai dit, il est trop cool. On se retrouve quand les plats ils arrivent. Déjà, faut peut-être que Hardy et Jimmy ils arrivent. Ouais, déjà. Et Siaka. Ah oui, on se retrouve après. On va pas les attendre. Bon, les gars, là c'est le déluge. On sait même pas si on pourra aller aux Ardentes. Enfin, y aller parce qu'il y aura de la boue et tout. Flemme un peu. Yo! Ouais. Déjà on a raté Franglish déjà. Un peu tristounet parce qu'il pleut. Mais bon. On va voir. Mais Jimmy il a dit qu'elle allait chanter la chanson. Oh. Tu peux pas showcase. Gros chante gros. Il veut pas chanter. Regardez comme il pleut s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Ah mais non mais c'est mort. Moi je veux pas au festival comme ça. Bon ben merci. Bon les gars, on est parti récupérer le petit bracelet. Vous êtes vraiment les pires. Ouais. Les pires. On commence. Oh, c'est un anthème. Vous êtes les pires amis du monde. T'as vu comment je suis prêt avec nous? Nous t'aimons, voilà. Voilà. Il faut dire ses sentiments dans la vie. Bon, moi je l'aime plus que est. Faut dire, ouais, je suis à contre-jour là, où est-ce qu'elle va? Elle fait des photos, ouais. C'est stylé ou quoi? J'aime bien. J'ai tellement chaud. Wesh. Bon les gars, je sais pas si vous allez m'entendre, mais là j'ai fait la mise d'huile, Jimmy. Elle est bien, lui a mis d'huile. Ah ouais. Ouais, gratuit. Elle est venue gratuit comme ça. Comme ça. Oh, piou, piou, piou. Ouais, t'es large, hein. Alors ça va toi? Ouais, ça va. Ça marche rien, ça. Ouais, c'est ça. La commu. Océane, elle a pas voulu s'aventurer avec moi parce que vas-y, il faisait trop chaud. Mais là, c'était pour faire un petit tour dans le festival. Franchement, il y a du monde de fou. C'est dinguerie carrément. Là, je rejoins la rejoindre là, dans l'espace. Donc, on se retrouve après. Regardez, elle a même pas bougé. Regardez, elle vient au festival. Regardez, elle reste ici. Alors, ça va? Ouais. Je vais là-bas. Bon, les gars, là, on est en direct avec toute l'équipe. Direction, on va voir Gazo. Bam! Ça va bien se passer. C'est un reportage? Wesh, t'es fraîche, hein? Merci. En tout cas, t'es un photographe et tout, wesh. Ouais, c'est moi. Trop bien, wesh. Tu me prends, je te prends. Comment tu sais faire ça? Vous allez pas là-bas. Ah ouais, je vais lancer.
fait, je suis en PLS. Donc là, on est dans notre restaurant qui s'appelle le Izmir. C'est notre restaurant préféré. Enfin, c'est genre un petit jour de kebab, genre. Les gars, si vous venez à Liège un jour, venez dans ce restaurant. Ah, mais tu sais que ça se trouve, les gens de Liège, ils vont bien les péter, genre. Ah ouais, c'est cool. Moi, à chaque fois que je suis venu ici, j'ai kiffé. De ouf. Donc là, on va se prendre un truc à manger. Il est minuit 20, 22. On prend un truc à emporter, on rentre à l'hôtel. À Mimir, parce que là vraiment on est KO. On attend qu'il prépare notre room. On a pris un petit parce que là il est tard. Grave. Dormir avec le ventre gonflé avec un. Déjà que mon ventre il est gonflé là depuis ce matin, laisse tomber. Wallou wallou. Attendez avant de faire le début de la vidéo là. On attend que la clim ça donne l'air frais. Salut les gars, du coup. Salut l'équipe. En fait, là, on est dimanche. Je vous explique, on est dimanche. C'est le dernier jour du festival. Et ce matin, on a vu que le festival était annulé. Voilà. À cause des intempéries, à cause de la météo. Donc, apparemment, il y aura de l'orage, de la pluie, etc. Donc, festival annulé. Donc, nous, on va rejoindre les autres, nos potes. Voilà, je pense qu'on va manger ensemble, etc. Donc en vrai, bon, on est dégoûté, mais on se dit, bon, on passe quand même du bon temps avec nos potes. Mais j'avoue, il allait y avoir des bons artistes aujourd'hui. Ah oui, il allait y avoir Booba, Central C, SDM, Metro Booming. Ça allait être la meilleure journée, clairement. Et du coup, on est un peu dégoûté. Niska. Et là, on est sorti de l'hôtel. Bref, on a rendu la chambre d'hôtel, etc. Donc, on avait pris l'hôtel que pour une nuit. Heureusement qu'on n'a pas pris une deuxième nuit en mode dimanche soir, on sera trop KO pour rentrer. Donc voilà, là, on va rejoindre les gars. Et, j'ai la dalle, hein, par contre. Ouais, j'ai trop faim. J'ai trop faim. On va voir ce qu'on fait. Donc voilà. Et voilà, c'était pour faire mon petit make-up. J'ai fait un petit chignon parce que franchement, hier, il faisait tellement chaud, j'ai souffert. Hein. J'ai souffert au festival, cheveux qui collent dans le dos et tout, je voulais canner. Franchement, ce vlog, il me canne. Moi, ça me dette de ouf. Vlog d'une journée et tout. Ouais, vraiment. Mais en tout cas, on vous a emmené avec nous. Et vous avez vu. Voilà, vous avez vu. Ce qui nous arrive. Ce matin, je vous dis, ma perruque était collée juste la moitié. C'est à l'autre moitié que je vois que le festival est annulé. Mais c'est pas grave. Tu restes quand même apprêté quand même. Oui, non, mais dans tous les cas, j'allais m'apprêter. Mais ça fout la rage, quoi. Je t'ai débordé. Bref, on vous emmène avec nous comme d'habitude. C'est ça parti. Bouge pas. C'est quoi ça? C'est en mode. Ok. Ok. Bon, les gars, on voulait manger, se faire un petit McDo, mais c'est fermé. Le pizza, tout ça est fermé? Ouais, c'est fermé. Tout est fermé. Parce que orage. Ici, orage, tout ferme. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a rien qui va. En plus, la faim dans le ventre, plus ça, non. Plus la pluie qui tombe sur nous. Hein. Bah, vas-y. Vu un pays, il y a de l'orage, tout ferme. Franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais là, non, venez, on y va là. Il pleut. Ouais, je crois qu'on va rentrer l'équipe. Ah, j'ai trop la rage. On va rentrer. Hein. Les gars, je vous assure que je suis débordé. Regardez le pain. Ouais, là clairement c'est direction la maison. Là c'est clairement il n'y a pas de débat. Ouais, ça sert à rien de. Hein, on va rentrer, on va faire un petit date. Ouais. Regarder un film. Tranquillou. Parce que là le temps il est vraiment pas au rendez-vous. Ouais, c'est. Je suis dégoûté que ça se finisse comme ça. Au final on n'avait pas. On a plus rien à faire avec nos potes parce que eux-mêmes ils sont rentrés. Vous vous rendez compte qu'ils ont fermé le McDo. Genre la police elle est rentrée, elle a dit on ferme le McDo à cause des intempéries. Genre on peut. On va manger genre. C'est une dinguerie. Enfin bref. Écoutez, là, il nous reste 3h11 avant d'arriver à la maison. Et puis voilà. Je suis grave dégoûté. Puis j'ai faim. Qu'est-ce qu'on a fait ? Bon les gars, c'est la fin de ce mini vlog. Nous sommes bien rentrés. Nous sommes bien arrivés. Donc là, il est 18h33. On va faire qu'on va aller manger. On attend que ça ouvre, on va aller manger direct. Ça ouvre à 19h, je crois, on va aller au Jap. Et voilà, donc c'est tout. On est vraiment dégoûté parce qu'on pense que cette journée aurait été incroyable, surtout dans le vlog. Mais bon, c'est pas grave, c'est la météo, on peut rien faire. Et voilà, Yann est des KO le pauvre, donc il vous fait un coucou de. Voilà.
et vous dire au revoir comme ça. Bref, on s'attrape pour une prochaine vidéo.